est en prison. Dites-moi ce qu'il y fabrique. Le tonnelier est en prison. Est-ce les cercles de barrique? Au beau milieu de la saison, le tonnelier est en prison. Le tonnelier est en prison pour un coup de trop de piquette. Le tonnelier est en prison parce qu'il aimait trop sa conquête. Si sa conquête c'était le vin, qui peut se dire plus malin? Qui peut se dire plus malin? Si sa conquête c'était le vin. Alors le bois dans le cellier, quand reviendra le tonnelier? Il a cerclé de ronds de fer les meilleurs crus, les meilleurs cuites. Il a cerclé de ronds de fer les raisins de notre colère. Derrière des barreaux de fer, c'est des verres d'eau qu'on lui sert. Si tu bois cette eau du geôlier, prends garde qu'elle ne se mélange. Si tu bois cette eau, tonnelier, avec ta dernière vendange, tu sais, il voudrait bien que tu mettes de l'eau dans ton vin. Tu sais, il voudrait bien que tu mettes de l'eau dans ton vin. Pleure le bois dans le cellier, rendez-nous notre tonnelier. Il faut le sortir de ses fers, il faut le remettre à nos planches. Il faut le sortir de ses fers, qu'il refasse nos fûts étanches. Avant la fin de la saison, il faut le sortir de prison. Avant la fin de la saison, il faut le sortir de prison. Faut se presser à le délier, il boit de l'eau. Le tonnelier. Le tonnelier est en prison, dites-moi ce qu'il y fabrique. Le tonnelier est en prison, est-ce des cercles de barils?